nous sommes là pour la deuxième année. Nous avons voulu un endroit simple, un endroit élégant, un endroit qui n'est pas trop brandé et que les marques ne s'approprient pas trop, et avec une cuisine excellente, je pense, parce que la cuisine est vraiment très importante dans un endroit, le service aussi. Et on a une clientèle en fait d'amis et d'habitués qui ont pris depuis les premiers jours du festival leurs habitudes et qui viennent le midi et le soir. C'est un rendez-vous, voilà, un rendez-vous. C'est un endroit où quand les gens viennent déjeuner, ils sont sûrs d'y retrouver leurs amis et ils y restent toute la journée pour y faire leur rendez-vous. On a eu la chance d'avoir de très belles soirées comme le dîner de la Gaumont en l'honneur de l'équipe des visiteurs, où là, Jean Reno, Clavier, Chazelle, etc. étaient tous là, Harry Habitant. Et ensuite, on essaye de mélanger les gens du cinéma et les gens de la mode, qui sont aussi très présents à Cannes. Donc ce midi, vous avez Eva Herzigova qui est là en train de déjeuner, mais on a eu aussi Inès de la Fressange, Eva Longoria. On a des marques partenaires aussi qui nous ont fait confiance pendant tout le festival et qui font leur dîner ici, comme Kering, comme Dior, comme Van Cleef, entre autres. Voilà, et sinon Gilles Lelouch est venu pour la soirée du Vincent Lindon que nous avons fait avec Tahar Rahim. Ce soir nous avons le dîner du président Lescure. Voilà, il y en a eu beaucoup d'autres, des Américains aussi, Parker Posey était là, l'actrice du film de Woody Allen, est venue faire sa gym sur la plage, c'était assez rigolo. Voilà, et puis beaucoup d'autres, mais c'est vrai que j'oublie les noms, mais il y en a eu, tout le monde est à peu près venu, voilà. Faut surtout être à l'écoute, faut jamais dire non. Moi j'ai une règle, c'est ma phrase que j'ai le plus envoyée par texto durant ces 10 jours, c'est pas de problème. C'est-à-dire que tout est possible, même quand c'est pas possible. On est là vraiment pour que les gens viennent passer un bon moment chez nous. C'est une parenthèse, toute la journée c'est des contraintes, c'est du travail, on s'imagine pas, c'est pas que de la paillette, du tapis rouge, Cannes, c'est beaucoup de pression pour les gens qui travaillent. Et nous quand ils arrivent ici, il faut qu'ils oublient pendant une heure ou deux heures tous leurs problèmes. Donc on est là pour ça. On ne l'a pas voulu cher justement. Puisqu'on a voulu un endroit où justement les personnes, les sociétés de production pouvaient faire des grandes tables sans que ça soit une contrainte budgétaire. Donc on l'a voulu, on a fait des member lunch au déjeuner avec des tarifs préférentiels. Voilà, ce qui fait que voilà, les gens ont vraiment pris leur habitude ici et ils s'y sentent comme à la maison.